Hey, coucou tout le monde, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ça va être le crash test de la marque Fortville. Donc, je vais vous parler un petit peu de cette gamme, de son histoire. Et vous allez voir que vous allez être pris aussi comme moi dans cette ambiance un petit peu rétro chic de cette gamme. Et je pense que ça va également vous plaire. Alors, restez avec moi, à de suite. Et donc on est parti, donc on va parler un petit peu de cette marque, de son histoire rapidement. C'est une marque qui est sortie, dirons-nous, en 1924 de l'union d'un docteur et d'une parfumerie. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, donc une cosmétique un petit peu médicale, dirons-nous, avec des produits relativement naturels. Et ils ont sorti cette fameuse brillantine de l'époque. Alors pour tous ceux et celles qui me suivent, qui sont de ma génération ou même voire encore un peu plus jeunes, vous allez me dire qu'est-ce qu'elle raconte celle-là avec sa brillantine. On connaît pas, mais regardez un petit peu sur internet, vous allez voir que c'est une histoire qui est quand même intéressante, qui est sortie dans les années, comment dirons-nous, dans les années folles. Et c'est de la cosmétique qu'on utilisait, en fait, c'était une marque de beauté pour les stars de l'époque, les stars iconiques de l'époque. Mais forcément, après, il y a eu beaucoup d'événements entre les bombardements, les guerres, les choses comme ça. Cette marque s'est malheureusement éteinte, effondrée, éteinte. Et elle a revu le jour seulement en 2021. Donc vous allez me dire, en 2021, c'est cette année. Voilà, donc elle est réapparue avec des produits formulés français, des produits naturels. Donc j'ai fait pas mal de petites recherches sur la marque parce que c'est vrai qu'elle m'a interpellée. C'est des produits qui m'ont interpellée parce que forcément à la base, c'est les packagings qui m'ont vraiment interpellée parce qu'ils sont vraiment très beaux. Je vais vous les montrer de plus près et vous expliquer après. Mais en fait, c'est des produits quasiment tous dans leur gamme qui sont à 99%, non, 97, 95 je crois, et 99% naturels. Donc on ne retrouve pas de sulfate, de parabène, d'huile minérale. Donc c'est des produits dans l'air du temps, j'ai envie de vous dire. C'est ce qu'on recherche toutes et tous actuellement. Surtout des produits sans sulfate, de plus en plus, parce que beaucoup de filles, moi dans mon quotidien, tout ça, beaucoup de clientes me parlent du sans sulfate parce qu'elles ont fait des lissages, des choses comme ça. Et ben pour le coup, vous pouvez acheter les produits Fortville, ils vous conviendront extrêmement bien. Donc c'est des produits forcément qui sont naturels, forcément une marque française comme je viens de vous le dire. Donc c'est ce qu'on recherche également aujourd'hui. Et du coup, alors ce sont des produits, comme je vous ai dit, donc naturels, parfum délicieux et un packaging rétro chic. Donc je vais vous montrer un petit peu leur packaging. Voilà. Donc je sais pas si vous les voyez bien, n'hésitez pas à checker leur site internet. Franchement, rien que le site est juste magnifique. Il est vraiment très beau. Donc moi pour le coup, j'ai eu la chance de tester, la marque m'a envoyé le shampoing nourrissant réparateur et également l'après-shampoing revitalisant des mélanges. Je vous en dirai un petit peu plus dans quelques instants sur ces produits-là. Donc on est quand même sur des gros modèles, c'est-à-dire c'est des 470 ml. D'accord, et je crois que le prix des deux, on est sur du 64 €, donc comment vous dire, super intéressant, vraiment une gamme de prix qui est correcte pour la qualité et la quantité des produits. Donc moi j'ai été vraiment ravie de les tester, soit dit en passant. Donc comme je vous ai dit, donc formule naturelle, produit efficace et parfumant, voilà, et sans sulfate, sans parabène, sans huile minérale, tout ça. Donc moi pour le coup, la gamme que j'ai, je vais juste faire un petit point là-dessus, la gamme que je teste, comme je vous ai dit, dans chacun de leurs produits de la gamme, pour essayer de vous faire ça clairement, on retrouve ce qu'ils appellent le fameux complexe capilloxédile. Donc vous allez regarder encore une fois sur leur site, vous allez encore mieux comprendre ce que je vous explique. En fait, c'est quelque chose, dans ce complexe-là, on va retrouver 8 végétaux, on va retrouver c'est riche en acides aminés également. Donc les végétaux qu'on retrouve, c'est de la camomille, de l'ail, de la bardane, de l'arnica montana, de l'ortie blanche, du lierre, du romarin et du bourgeon de sapin. C'est ce qu'on retrouve a priori, de ce que j'ai compris, dans chacune des gammes, dans chaque gamme différente de shampoing qu'ils ont. Et après, ils rajoutent d'autres choses. Voilà, du beurre de karité, ils vont rajouter d'autres choses, je vais vous expliquer après. Forcément, suivant ce qu'on recherche. Si on recherche quelque chose anti-chute, fortifiant, réparateur, on retrouve toujours la même base, dirons-nous, de ce que j'ai compris, encore une fois. Hein, mais il y a quelques petits ajouts dans certaines gammes. Et en fait, ils ont des effets sur quoi ? Forcément un petit peu sur ce qu'on recherche tous, c'est-à-dire freiner la chute,
de nos cheveux, parce qu'en ce moment, entre le stress, l'anxiété qu'on vit actuellement encore plus que d'habitude, et ben forcément, ce côté voilà, stimulant, qui freine la chute, qui restimule la croissance, on en a toutes et tous besoin, homme ou femme, hein, j'ai envie de vous dire, homme ou femme, c'est vraiment l'idéal en ce moment. Et après, on a un côté purifiant, et ça va réguler l'excès de sébum, avec l'ortie, tout ça, et ça, je trouve ça génial, parce que forcément, avec un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété, on arrive à trouver beaucoup, beaucoup de personnes qui ont un excès de sébum, qui ont des pellicules, qui ont des problèmes au niveau, voilà, des croûtes, des démangeaisons au niveau des cheveux, tout ça, et il y en a énormément. Donc si vous en faites pas partie, tant mieux pour vous, mais croyez-moi, il y en a énormément. Donc cette gamme Fortville peut, voilà, peut apporter une solution à tous ces problèmes, et également de la nutrition. Voilà, si vous avez aucun problème et que vos cheveux sont simplement secs, et ben vous allez trouver aussi votre bonheur dans cette gamme Fortville. Voilà, et donc moi j'ai trouvé mon bonheur, parce que pour le coup dans cette gamme là, dans ces deux produits qui m'ont fait tester, parce que moi forcément j'ai un cheveu, alors j'ai pas de pellicule, j'ai pas de démangeaison, tout ça, mais avec bah, les couleurs mensuelles, forcément avec les cheveux blancs, avec les couleurs mensuelles, avec eh bien les plaques, les voilà, hein, le sèche-cheveux, tout ça, forcément le cheveu et la fibre capillaire se détériorent, elle est dévitalisée, elle est dénutrie, et surtout on a un cheveu un peu plus sec, un peu plus cassant. Et bien moi, ma réponse, on va la trouver là-dedans, dans ces deux produits. Ça fait quelques jours que je les utilise. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas voulu démarrer cette vidéo en vous montrant les produits sans les connaître. Donc c'est des produits que j'ai testés, je crois, j'en suis à 4-5 fois quand même. Et ben pour le coup, j'ai adoré. J'ai adoré la texture. Alors au début, le premier shampoing, attention, faites-en toujours deux, comme d'habitude. Mais le premier shampoing ne mousse pas énormément. Forcément, ce sont des produits naturels. Donc les produits naturels moussent un peu moins que tout autre produit siliconé, surchargé en composition chimique, tout ça. Donc ça n'enlève en rien l'effet nettoyant, je précise. Voilà, donc c'est des produits personnellement que j'ai hâte de continuer, de voir les effets en fait sur du long terme. Donc on retrouve dans ma gamme personnellement 94% d'origine naturelle, 72% nourri et réparé, donc ce qui est quand même pas mal, 80% une chevelure plus épaisse, d'où j'ai voulu vous montrer cette chevelure aujourd'hui, et 72% plus brillante et plus fortifiée. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour le coup c'est vrai que j'ai des cheveux à la base quand même un petit peu brillants, forcément je les entretiens, mais je suis contente de ces produits là parce que j'ai vraiment vu une différence vraiment réelle sur la brillance, le toucher doux, soyeux. Donc je suis heureuse de les avoir testés, vraiment très heureuse de les avoir testés. Comme je vous ai dit, on est sur 64€ les deux, n'hésitez pas à checker sur leur site, mais 64€ les deux, donc ça reste quand même vraiment plus que correct. Moi j'ai l'habitude de mettre des prix parfois même plus haut, et ben là je suis quand même satisfaite de la quantité et du prix. Donc pour ce qui est de la formule, on retrouve les 8 actifs que je vous ai dit juste avant, d'accord, dans ce fameux complexe capilloxédile, d'accord, mais ils ont rajouté de l'eau de mer dedans pour le côté revitalisant, donc même les petites sirènes peuvent l'utiliser, ça leur changera pas trop, non je rigole. Donc après ils rajoutent aussi de l'huile d'argan et de l'avocat pour nourrir, restituer en fait une fibre capillaire un petit peu plus épaisse, un petit peu plus soyeuse. Donc que demander de plus à un shampoing et un après-shampoing? Et il démêle également, voilà, je le précise, je l'ai vu tout à l'heure qu'il était également démêlant. Il nourrit, il lisse, il répare les pointes. Voilà. Donc moi, personnellement, j'en suis ravie. Je regarde juste si je vous ai tout dit. Formule riche, gourmande et généreuse. Voilà, de la Christ Marine Bio, reconnue pour nourrir et réparer et avoir ce côté revitalisant pour la chevelure. Les cheveux sont lissés, démêlés, faciles à coiffer, on retrouve douceur et éclat. À laisser poser entre 5 à 7 minutes, je vous avoue, j'ai laissé poser à peu près 10 minutes. Mais 5 minutes à 7 minutes, si vous êtes pressé, je trouve ça très bien. Et sincèrement, je crois que j'ai déjà fait à 3-4 minutes et ça fonctionne très bien également. Mais plus vous laissez, plus forcément vous aurez un cheveu encore plus doux, un cheveu encore plus souple et encore plus facile à démêler. Si vous avez un cheveu un petit peu épais, un cheveu bouclé, il sera plus facile à démêler.
Donc voilà ce qu'il en est de cette gamme. Moi personnellement, c'est vrai que j'ai été assez contente de la tester, assez contente de la découvrir. Les compositions sont... La composition, elle est belle, elle est saine. Comme je vous le redis, la marque, elle est française. Et aujourd'hui, c'est important parce qu'on a beaucoup de produits qui sont exportés, qui viennent un petit peu de partout. Et c'est quand même bien de savoir ce qu'on se met sur le visage, sur le corps et sur ses cheveux. Moi, personnellement, j'ai jamais fait trop attention. Mais plus je prends de l'âge et plus c'est vrai que je regarde les compositions. Je scanne maintenant un petit peu plus les produits. Je tombe pas dans une cause non plus, mais je scanne un petit peu les produits et pour le coup bah c'est vrai que c'est une gamme qui est pour moi, elle allie tout, aussi bien la qualité, aussi bien la senteur, parce que alors par contre c'est vrai que la senteur je l'ai trouvée vraiment agréable, pas trop entêtante, ça ressemble à de l'abricot, ça vous donne un côté rond, un côté gourmand comme de l'abricot. Alors je ne sais pas l'odeur, je me souviens pas avoir trouvé la fragrance, faudrait que je regarde, mais voilà, ce petit côté gourmand rond de l'abricot, moi je trouve ça génial, ça fait presque penser à des parfums un petit peu enfants, dans leur neutralité, dans leur côté sain, voilà, les parfums enfants, les shampoings enfants. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous éclaircir sur cette gamme et surtout vous faire découvrir cette gamme parce que sincèrement j'en avais pas entendu parler avant qu'il rentre en contact avec moi. Et je suis très contente d'en avoir parlé aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à checker sur internet parce que forcément je vous ai fait une vidéo pour dégrossir un petit peu, pour comprendre un petit peu cette gamme, vous donner des mots-clés. Mais forcément l'historique ne sera jamais aussi bien fait et bien dit que sur leur site. Donc n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à commander les produits et à me dire ce que vous en avez pensé si vous les avez testés et commandés. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les retours que vous en faites. Et ça me fera énormément plaisir. Donc dans tous les cas, comme d'habitude, prenez toutes et tous soin de vous, surtout en ce moment plus que d'habitude, et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Je vous embrasse tous très très fort.